Bonjour à tous et à toutes, nouvelle petite vidéo. On va faire un petit tuto de planètes. Comment faire des planètes? Bah c'est pas compliqué. Hein. Déjà, faut acheter des feuilles spéciales dans des magasins spéciales, tout ce qui est fourniture pour les bureaux. Vous trouvez ça à Châtelet-Léal. Il y a un magasin spécial, ça s'appelle Box Office. Et ils vendent des grandes feuilles comme ça pour pouvoir faire des pochoirs. Pochoirs ou du spray painting. Enfin, c'est plus pour faire du spray painting, ça. Et il vous faut bien sûr des bombes, toutes sortes de bombes, n'importe quelle couleur. Et pour faire des planètes. Bah, il vous faut soit un petit bouchon comme ça, soit un petit truc de lessive, du moment que c'est rond, un petit rond comme ça que vous trouvez sûrement quand vous travaillez dans les usines. Il y a sûrement des petits trucs en bois, enfin un genre de carton très très dur, en arrondi. C'est là où il y a les étiquettes. Donc à la fin, t'as ça. Donc moi je récupère. À largeur avoir des capsules de boîtes de café en plastique, donc ça peut te servir. Ça c'est un truc que j'ai trouvé à la poubelle, donc comme il était bien rond, donc je l'ai récupéré. Comme ça m'a permis de faire un rond pour une planète. Vous pouvez éventuellement aussi garder des petites boîtes de conserve comme ça, n'importe lesquelles, que ce soit du plus gros ou plus petit. Vous les nettoyez bien pour éviter qu'il y ait encore l'odeur des produits alimentaires dedans. Il faut bien nettoyer. Mais quitte à nettoyer un peu avec l'eau de Javel. Après, une fois qu'il est bien abîmé, bien machiné, vous le foutez à la poubelle. Vous en reprenez un autre. Et des feuilles pour changer les couleurs des bombes. Donc il y a plusieurs façons. Il y a du papier comme ça, lisse. Il y a du papier à bulles, vous pouvez faire. Ça, c'est du papier. Là, il y avait les tomates dedans. Et ça, c'est un autre papier en plastique qu'on peut utiliser aussi. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est simple, hein, c'est pas. Enfin, quand je dis c'est simple, hein, moi la première fois j'avais loupé, hein, mais c'était même plus des planètes, c'était des ballons de rugby que je faisais. Parce que je savais pas du tout comment faire une planète. Donc on va, je vais vous montrer comment faire une planète, des planètes. Donc toujours une plus grande des planètes, vous la mettez où vous voulez. Voilà. Après. Les autres, vous les mettez à la façon que vous désirez, n'importe où, voilà, n'importe comment, quitte à prendre même un autre petit bout. Non, j'ai oublié celui-là. Hop, celui-là, on va le mettre là, celui-là, on va le mettre là, voilà, celui-là, on va mettre ça. On va faire comme ça, voilà. On va faire un genre de petite planète comme ça, plusieurs planètes. Donc ensuite, pour comment on va faire la planète? Donc bien sûr, il faut la bombe, sinon vous n'allez pas pouvoir faire le contour. Donc c'est tout simple. Vous secouez bien là. Vous secouez bien la bombe et vous essayez de charger un petit peu comme ça, tout autour. Après, si vous en mettez sur les plus, c'est pas grave. Hein. Hop. D'ailleurs, il faut penser à mettre les gants. J'ai oublié de vous le dire. Il faut des gants, n'importe quel gant en plastique. Hein. Parce que après, ça va faire... vous allez avoir les mains toutes de toutes les couleurs. Donc ça, c'est des gants que j'avais récupérés de mon travail. Donc voilà, économie.
Économie au pied, économie, j'ai pas payé. Je me suis récupéré une boîte entière. Ça, c'est pareil. Des masques, c'était les tout premiers masques qu'on avait au début. Donc ça, c'est pareil, j'en ai récupéré plein. Hop. Ça, c'est pour éviter l'évaporisation des bombes. Donc le petit truc blanc, il se met au niveau du nez. Mais ça, vous en avez aussi, je crois, à Action. À Action, ils en vendent. Et vous pincez. Voilà. Et vous continuez. Voilà, faites de même aux autres. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tous les contours des trucs, donc vous les enlevez. Voilà. Vous les mettez de côté. Bien sûr, vous essayez de vous rappeler à peu près les endroits où vous avez mis du plus petit au plus gros. Voilà, vous voyez, ça vous fait déjà des ronds. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc ensuite. Après, bah, vous babigeonnez vos ronds, votre planète. Vous prenez n'importe quelle couleur, la couleur que vous désirez. Donc là, moi, je vais faire... Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu comme ça. Je vais vous mettre un petit peu de bleu. Une autre sorte de bleu. Voilà. Voilà, ça fait un bon petit moment, je m'en suis pas servi des bombes, donc du coup, bah ça a du mal à capter. Un petit peu de jaune. Voilà. Ensuite, vous prenez... Ah, j'ai mis un petit peu de blanc. Le blanc, ça tient aussi le blanc. Voilà. Vous prenez un papier, vous le fichonnez comme ça. Et vous le mettez sur votre truc. Et vous faites un geste délicat. Voilà. Ça vous enlève un petit peu le produit. Pas beaucoup. Voilà, d'un geste majestueux, comme ça, hop, voilà, vous avez déjà commencé à faire la couleur. Voilà. S'il faut, vous rajoutez un petit peu de couleur blanc, si vous voulez. Voilà. Un petit peu, hop, voilà, pour faire un aspect un peu voilà, comme si c'était des trucs comme on voit sur la terre. Voilà. Ensuite vous continuez. Vous continuez pour les autres, hein, par exemple celle-là. Voilà, un petit truc comme ça. Un petit peu de jaune. Un petit peu de blanc. Si vous voulez remettre un peu noir, hop. Un petit peu noir. Et pareil. Vous prenez. Là, je vais prendre le papier à bulles. Et j'ai machiné, voilà, comme ça, ça va faire, vous avez vu, ça fait comme des petites bulles,
Ça fait comme des petites bulles. La planète, elle a des bulles. Voilà. Voilà, ça fait comme des petites bulles. Après, bon, bien sûr, vous jetez. Hein. Comme dans notre univers, nous avons des millions, des milliards de planètes. Donc après, pourquoi pas. Bon, bien sûr, vous essayez de ne pas trop abîmer celle que vous avez fait. Au pire, si vous avez peur de l'abîmer, eh ben, vous le remettez. Voilà, vous le couvrez, vous le cachez. Donc ça évite de remettre de la peinture dessus. Quoi? Et oui, j'en ai pour 5 minutes. Là, pareil. Voilà, vous cachez. Ça évite d'abîmer. Et vous faites pareil avec d'autres, avec les autres. Donc les autres ronds. Voilà, vous mettez du n'importe quelle couleur, du marron, du bleu, du orange, du violet. Voilà. Et vous pouvez faire comme ça aussi. Voilà. Avec vos doigts. Merci comme ça avec vos doigts. Ça fait un effet. Ça fait un effet structure, un autre style de structure au niveau de la planète. On peut même remettre un petit peu de blanc. Voilà. Hop. Voilà. Ça vous fait un truc comme ça. Donc pareil. Et non, c'est pas celui-là. Voilà, vous recouvrez correctement, vous essayez que ça se machine bien. Voilà. Comme ça, les planètes, ils sont protégées. Hop. Après, vous faites que, vous pouvez faire que jaune ou blanc, avec un petit peu de blanc. Avec une autre sorte de papier. Là, pour faire comme ça un lisse. Hop, comme ça. Voilà. Avec le papier, on étale. Avec le papier, on étale la peinture sur la feuille. Après, si ça déborde, ben, c'est pas trop grave. Hein. Vous allez recouvrir après par la suite. Donc, vous remettez le capuchon. Je crois que c'est celui-là. Oui, je crois que c'est celui-là, j'en ai pas d'autre. Voilà, tout doucement. Et on va faire un blanc, on va faire un genre de bleu-violet. Voilà, faire un style un peu comme ça. Voilà. Ensuite, avec un autre papier, et ce papier-là. C'est un autre type de couleur. Voilà, c'est une autre planète. Après, vous allez me dire, ouais, pourquoi mettre de la peinture après l'enlever? Ben, en fin de compte, c'est ça, c'est le but du spray painting. C'est comme ça, ça se fait comme ça. Je pourrais pas trop vraiment vous dire. C'est comme ça. C'est pour donner une autre structure au niveau de tes soit de ton planète, de tes dessins, de tes personnages. Voilà, ça se fait comme ça au niveau du spray painting. Donc, hop, on remet le capuchon.
Voilà. Et on va attaquer le dernier. Donc on va faire un genre de bleu comme ça. Hop. Un petit peu de violet ou un autre bleu. Voilà. Ou avec un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc marbré. Donc voilà, on va réutiliser du papier. D'ailleurs, on va plier. Pour donner un effet. Un autre effet. Voilà, après on déplie. Voilà, ça, ça donne un autre effet. Voilà. Mettre un petit peu de blanc si vous voulez, comme ça, hop, voilà. Donc il faut aller hyper vite, hein. Faut pas laisser trop longtemps le papier sur le truc, parce que le papier il va coller sur la peinture, et après pour l'enlever ça va être compliqué. Donc faut vraiment faire vite quand vous faites ça. On rebouche le truc. Donc voilà, donc vos planètes ils sont faits, ils ont été faits selon vos goûts et selon vos couleurs. Et maintenant, on va faire le contour. Donc comme c'est des planètes, donc les planètes ça se trouve dans le ciel, donc je veux dire dans le ciel, donc dans le ciel, enfin au niveau du plus haut que le ciel, bah, c'est l'univers, hein, c'est ce qui veut dire la. Bah, c'est noir hein, avec des lumières, c'est-à-dire des étoiles. Donc on va juste babillonner. Donc n'hésitez pas d'en mettre, bien faire le tour. Et là, ça va finir. La bombe va se finir. Hein. Donc bien sûr, évitez de mettre les doigts une fois que c'est fait. Parce qu'après, il y aura des traces de doigts, ça va partir joli. Pas faire très très joli. Donc là, hop, on voit qu'il y en a presque, il n'y en a plus. Donc vous voyez là, il y a la vaporisation. Je sais pas si vous voyez, ça se voit à la caméra, mais il y a, moi à l'œil, je vois la vaporisation de la bombe qui se soulève. Donc celui-là, il est terminé. Donc je vais voir avec l'autre noir. J'en ai un autre là. Il faut que j'essaie de récupérer un bouchon. Hop, on va prendre le jaune. Voilà, donc bien remué. Il faut qu'on entende la petite bille dedans. Hop. Et vous apercez. Et vous remettez. Vous continuez. C'est pareil, hein, il y a plusieurs noirs, tu as de plus en plus noir, plus clair, plus foncé. Toutes les couleurs, ils ont des différentes couleurs. Hein, voilà, une fois que vous avez bien machiné ça, voilà,
Donc bien sûr, vous videz pas la bouteille hein, sur le truc, hein. C'est limite quoi. Après, si vous voulez, pour mettre, rajouter, hop, un petit couche de bleu, comme ça. Parce que dans le ciel, bah, il y a du bleu, hein, il y a un peu de couleur un peu efflorescent. Vous pouvez mettre un petit peu de mauve, éventuellement. Hop, voilà, vite fait, comme ça. Voilà. Comme ça donne une petite couleur majestueuse à votre dessin. Et après, on va attaquer les étoiles. Donc après, je vous ferai une autre vidéo à part pour voir comment faire les étoiles. Il y a plusieurs façons de faire les étoiles. Donc le plus simple, c'est soit dans le doigt, et après, hop, vous cliquez comme si vous taperez, comme si vous alliez faire un truc avec les billes. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, regardez, vous avez vu? Hop, on s'éloigne. Et ça fait des super. Donc quand vous mettez ça, vous évitez de mettre ça sur le. Au-dessus vos dessins, parce que ça peut vous faire de gros dégâts. Et voilà, je vous ai fait les petites étoiles. Donc les étoiles, vous pouvez en mettre, hein, parce que les étoiles, quand vous regardez au truc de l'horoscope, là, vous avez des millions, des milliards de je sais pas combien d'étoiles. Donc vous pouvez en mettre, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Donc, une fois que les étoiles sont faites, hop, on s'essuie les mains comme on peut. On s'essuie les doigts. Voilà, après vous mettez la poubelle. Et après, vous pouvez enlever délicatement les ustensiles. Voilà. Hop. Voilà, comme ça vous fait vos planètes. Voilà, ça vous fait n'importe quelle planète que vous avez faite tout à l'heure. Donc ça, quand c'est comme ça, vous faites très attention. Hop, faut vraiment les enlever délicatement pour éviter d'abîmer votre dessin. Donc après, il y a celui-là. Hop, voilà. Et il y a le plus gros. Voilà, style un peu terre. Donc voilà, vous avez vos planètes de fête. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une vieille assiette à largeur. Vous pouvez prendre des vieux saladiers. Vous pouvez même piquer les saladiers de votre grand-mère ou de belle-mère. Vous savez où ça vous est marqué saladier de Limoges? C'est vrai qu'il y a planque dans le placard là. Donc vous lui piquez ça. Ou des belles assiettes de service bien rondes, voilà, comme ça. Et après, vous le remettez à sa place, comme ça, ni vu ni connu, comme ça. La belle-mère ou la grand-mère, elle verra que du feu. Mais par contre, si elle s'aperçoit, vous avez intérêt de vite courir. Parce que là, vous inquiétez pas, là, les grands-mères, là, ils vont pas dire comme quoi qu'ils voient pas. Là, t'inquiète pas, ils visent très bien quand c'est comme ça. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous décollez délicatement. Vous voyez, moi j'ai mis un support en plus. Un support en plus. Donc bien sûr, évitez de mettre les doigts sur le truc parce que vous allez retrouver vos pouces sur l'image et c'est pas terrible. Donc moi, il faut que je recherche mon machin. Où est-ce qu'il est? En espérant que je ne l'ai pas perdu. Ah, il est là. Donc c'est pour sécher. Vous allez avoir du bruit, hein, je suis désolé. Hein. Donc il y en a qui le font avec les bombes, mais c'est pour ça faut éviter de faire ça à la maison, il faut au moins être dehors pour faire ça, faire
un coup de séchage avec la bombe, en bombe. Si vous prenez la bombe, vous allumez, ça vous fait une grande flamme et vous pouvez sécher comme ça. Mais ça, c'est... Pour ceux qui ne sont pas habitués, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux pas le faire. Parce que moi, je l'ai fait une fois et franchement, ouf, j'ai été chaud. Il faut vraiment savoir le faire. C'est vraiment des professionnels qui le font, ça. Bon, après, bon, pour essayer, il faut le faire, c'est sûr. Hein, on est obligé, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'apprendre pour essayer, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc c'est soit ça. Sinon, bah, vous prenez un vieux sèche-cheveux. Vous prenez un vieux sèche-cheveux et ça peut faire l'affaire. Donc ensuite, pour que rendre votre dessin brillant, vous allez à Action. Et à Action, ils vendent Clear Varnish. C'est pour vernir tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, moi je les prends, c'est pour me servir, c'est pour mes dessins, mais voilà, pour vous servir pour vos meubles, un truc comme ça. Donc ça, c'est 2 euros, il y a encore le prix en dessous, 2,19 €. Là, il y a encore le prix de ces trucs de chez Action. Donc c'est pour éviter que votre dessin il s'abîme, quoi que ce soit, donc ça c'est pour le protéger. C'est un vernis pour protéger. Donc vous babigeonnez partout, pas trop près, ça fait des gouttes. Voilà, dans ce sens-là. Après vous faites deux sens-là. Ah, vous voyez, je vous ai parlé, j'ai fait une bêtise, j'ai trop approché. Et j'ai fait une goutte. Normalement, ça devrait pas se faire. Pour ça, il faut éviter de trop imaginer trop près. Parce que ça vous fait des gouttes. Et ça peut gâcher votre dessin facilement. En même pas 2 secondes, ça peut vous gâcher votre dessin. Voilà, une fois qu'il est bien protégé, ben vous prenez votre sèche-cheveux ou ou un petit chalumeau comme vous voulez. Parce qu'ils vendent maintenant des petits chalumeaux comme ça aussi. Voilà, ils vendent des petits chalumeaux comme ça aussi. Mais bon, c'est pas tiré. Moi j'ai essayé, franchement. Ouais, c'est pas très. Ouais, ça met plus de temps. Donc ça, c'est pour répartir la chaleur pour que ça sèche en fin de compte. Donc si jamais, par contre, si jamais vous faites ça, faites attention parce que des fois, ça peut s'enflammer. Donc vous soufflez un bon coup comme les trois petits cochons et le gros méchant loup. Vous soufflez et ça va s'enlever. Là, vous prenez le sèche-cheveux et vous faites comme ça. Donc pas trop près non plus parce que le rond il va toucher le dessin. À peu près ça de hauteur.
Et voilà. Donc voilà, c'est prêt. Alors le dîner est prêt. Donc voilà, vous avez une belle image. Voilà, et voici vos planètes. Voilà, vous avez réussi vos planètes. Voilà, comment ça se fait des planètes. Voilà. Voilà, comment ça se fait des planètes. Voilà, vous voyez, c'est pas... Il faut le savoir. Si tu sais pas, bien sûr, tu vas faire n'importe quoi. Moi, je sais, je me rappelle, au début, j'ai fait n'importe quoi. Ça ressemblait même plus à des planètes. Je vous ai dit, ça ressemblait plus à des ballons de rugby que des planètes. Et la force de, la force d'en faire et de regarder des vidéos de professionnels, j'ai appris comment faire des planètes. Donc, voilà. Donc, voilà. En plus, après, si vous voulez, vous pouvez éventuellement signer. Donc, je vous ai signé de... Je vais signer là. Voilà, normalement, faut le faire tout de suite. Ça, malheureusement, ça va mal se faire parce que j'ai fait chauffer. J'aurais dû faire ça avant et après faire chauffer. Ben là, j'ai fait le sens inverse. Mais normalement, ça se fait avant. Vous signez votre dessin, vous mettez un peu de vernis, vous signez votre dessin et après, vous faites réchauffer. Comme ça, vous êtes votre nom, vos prénoms, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et voilà. Voilà, se termine cette petite vidéo de tuto comment faire des planètes. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Donc si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et dimanche prochain, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Soit je vais vous montrer comment faire la planète Terre, vraiment la couleur de la planète Terre. Et c'est pas facile aussi, hein, parce qu'il faut bien concentrer les couleurs. Il faut bien bien les mettre. Pas mettre ça n'importe comment, parce que ça va même plus être une Terre, ça va être une autre planète. Et j'essaierai dorénavant, si vous aimez. Donc dites-moi si ça vous a plu, hein, déjà, et si vous en voulez d'autres. Donc une fois tous les dimanches, je vous ferai une petite vidéo de tuto, tout simplement, juste un truc de tuto, comment faire des arbres, comment faire des planètes, comment faire la couleur d'une planète, comment faire le soleil, enfin, il y a plein de trucs. Mais ne me demandez pas de faire des personnages, parce que je sais pas les faire. Je les fais plus en noir et blanc, mais si je dois faire des yeux, machin, je sais pas faire. Donc ça, j'ai essayé, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, mais c'est impossible, j'y arrive pas du tout. Donc peut-être un jour, à la force de m'y mettre à chaque fois, j'arriverai peut-être à bien faire. Et aussi, il faut avoir les pochoirs adéquates, mais moi, je les ai pas. J'ai pas de pochoir adéquate. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu. Si vous voulez que une fois tous les dimanches, je vous fasse un petit tuto. Un tuto de spray painting. Et puis éventuellement, si vous aimez, je vous ferai une petite vidéo de tuto une fois tous les dimanches. Donc moi, pour que ça sèche encore mieux, je l'épingle dehors. Comme ça, ça évite qu'il y a des cochonneries qui tombent dessus. Donc j'essaie de tâter les endroits où c'est sec. Et je le mets dehors. Comme il fait super chaud. Donc là, ça va bien sécher. Voilà. Je le fous dehors. Voilà. Et d'accrocher comme ça. Voilà, comme ça, le dessin est accroché. Et ça risque rien. Au pire, vous remettez une petite épingle là pour... Non, c'est des planètes.
Donc voilà. Voilà, vous voyez même à travers la feuille. Voilà, voilà comment faire tout simplement des planètes. Donc comme je vous dis, si vous avez aimé, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine petit dessin de tuto de spray painting. Je vous dis Kenavo, je vous dis Abidenzen, je vous dis au revoir. Et du coup, bah là, maintenant que j'ai foutu le bordel, bah, il faut tout ranger. Voilà, wali walou. Allez, gros bisous à vous tous. Bye bye.